groupe de 16h ne va pas tarder. Merci, Guylaine. Je n'ai pour une seconde. Ne vous pressez pas, vous avez encore 5 bonnes minutes devant vous. Un problème? C'est que vous avez celui que je voudrais lire. Comment ça, il y en a plein d'autres? Non, mais c'est vous qui avez celui que je dois lire. Que vous devez lire? C'est une plaisanterie. Donnez-le moi. Non, mais vous n'êtes pas bien. Non, mais... Un gentleman est un monsieur qui se sert d'une pince à sucre, même quand il est seul. A dit Alphonse. Donnez-le moi, il me le faut absolument. Bon, prenez-le. Vous ne seriez pas un peu débile par hasard? La tolérance et la charité de l'intelligence, a dit Jules le maître. Oui, oui, c'est ça, Jules le maître. Il n'y a pas de savon. Il n'y a pas de savon dans les toilettes. C'est la première fois que je viens. J'espère qu'ils respectent les horaires par ici. J'ai un train pour Deauville à 20h, et si je le rate, c'est une catastrophe. Patience et longueur de temps font plus que force, ni que rage, a dit Jean de La Fontaine. Bon, vous allez nous sortir le programme du bac de français dans son intégralité? Moi, je l'ai, mon bac. Le feu. C'est interdit de fumer ici. Ah ouais? T'es de la police, toi? Hein? Qu'est-ce que tu vas me faire, ce chalumeau clope, là? Hein? Rien, je... C'est interdit, c'est tout. Hey. Elles arrivent. Je les entends, elles font... La ferme! Installons-nous confortablement et décontractons-nous. Si vous avez une petite soif, n'hésitez pas à prendre un verre d'eau. La carafe est là pour ça. Je peux m'asseoir à côté de vous, docteur? Oui, vous voudrez. Je crois que nous sommes tous au complet. Voyons. Bien, présentons-nous les uns aux autres. Vous savez tous qui je suis. Alors passons sur ma personne. Pour les nouveaux, je dirais simplement que je suis le docteur Bornéard et que je suis là pour vous aider à y voir plus clair, pourrait-on dire.
À vous, Fabrice, commencez. Docteur, vous savez très bien que je peux pas commencer. Et pourquoi ça, Fabrice? Je peux pas être un chiffre impair. Vous ne serez pas un chiffre impair, voyons, puisque j'ai parlé avant vous. Ah oui, c'est juste. Alors allez-y. Ouais, mène-toi. On va pas y passer 1000 ans, là. Je m'appelle Fabrice. Et? J'ai la tête encombrée. Dites-nous par quoi? Je suis atteint de troubles obsessionnels compulsifs. Très bien. À vous. Je m'appelle... Merde. Ça, c'est pas gentil. Oui, Geneviève a raison, c'est pas très gentil ce que vous venez de dire à ce pauvre mari. Pas gentil. Calmez-vous, Stan. Eh bien, présentez-vous, vous qui étiez fort. Psy à la place de psy. On t'a sonné, connasse. Mon frère, canalise ton énergie. Canaliser ses pulsions serait plus adapté, ne croyez-vous pas? Canal est l'anagramme de Lacan. Adine. Je n'ai rien à foutre de qui a dit cette connerie. T'as compris? Théo, donnez-moi ce couteau et retournez à votre place. Vous me le rendrez, hein? Bien. Reprenons. Régis, c'est à vous. Mais enfin, docteur, vous savez très bien que je ne m'appelle Régis que sur Terre. Pour vous, les humains. Mais en réalité, je suis Gafior, le grand réceptif, le chasseur d'Hirclite. Parlez-nous des Hirclites. Mais je ne peux pas, docteur. Ce serait inutile, vous le savez très bien. Votre espèce n'a pas atteint un niveau suffisant d'évolution. Je ne vous sens pas apte à la compréhension. Elles ont des ailes, les Hirclites? Avec tout ça, moi, je vais rater mon train. Puisque vous avez pris la parole, poursuivez. Je m'appelle Sylvie, je suis pas malade. J'ai juste peur des robinets. Silence! Moi, j'aime bien les robinets. Ah ben, vous devriez pas, je vous assure. Expliquez-nous pour quelle raison Jean ne devrait-il pas aimer les robinets? Ben, ils sont agressifs, enfin, vous savez bien qu'ils sont agressifs. Dès qu'on en touche un... Oui. Ça n'arrête pas de cracher, un robinet. Y verriez-vous une sorte de symbole phallique? Non, 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 pas du tout, non. Au contraire. Vous avez léché votre femme ce matin. Je sens encore la saveur de son sexe dans votre bouche. Je me lave les mains! Laissez-moi me laver les mains! Si vous retournez à votre place, vous devez apprendre à contenir vos émotions. Aidez-moi, je ne peux plus supporter toute cette crasse. Et après moi, mon frère, tes mains recouvriront leur initiale pureté. Jérôme, asseyez-vous, vos mains ne sont pas sales. Vous n'êtes pas sale. Faites-moi confiance. Je suis sale. Les poux me rongent. Les pourceaux, quand ils me regardent, vomissent. A dit l'autre est amour. Et vous, qu'en dites-vous? La parole nous a été donnée pour déguiser notre... Ça, la salope. Moi, j'aurais aimé ça, moi. Hélène, qu'avez-vous dans votre sac aujourd'hui? Presque rien, docteur. Mais encore? Que moi. Je peux pas me retenir. Moi non plus. Et vous m'avez encore volé quelque chose ce matin, n'est-ce pas? Oh, la vilaine! Les clés de ma voiture. Je suis vraiment désolée. Eh bien. Ça se trouve, elle m'a piqué un tout aussi, cette confiance. Déconne pas avec moi, hein. Connasse. Les médecins et les femmes savent seuls combien le mensonge est nécessaire et bienfaisant aux hommes. A dit Anatole Franck. Jean? Je savais pas, moi, qu'il y avait des tourterelles dans ma tête et... Ils sont arrivés un jour sans prévenir et... J'ai d'abord entendu leurs ailes, ça faisait... Et j'étais en train de prendre le thé avec tante Odile sous les sols du jardin. Et... Oh, ça m'a fait tout drôle d'un coup d'entendre ça. Tu m'étonnes. Et tante Odile, elle... Elle avait pas l'air de les entendre et... Oui.
Et elle me parlait de ses plantations, des roses d'Enclair Berthe qui coûtaient si cher. Ah non, c'était sous la véranda, je m'en souviens. Le thé, il était au caramel et il était trop sucré. Et je voulais lui dire que c'était pas grave si elle avait pas d'autre chambre à me proposer. Et elle était très bien, la chambre mauve. La couleur des ondes saltimbitiques en charge positive. C'est merveilleux. Et c'est là qu'elles sont arrivées. Et qu'elle faisait. J'ai d'abord regardé dans le ciel, mais il n'y avait rien. Et tantôt Dil continue à me parler des roses et elles ont fait notre bruit. Elle me racontait une histoire de tourterelle. Et elles ont commencé à picorer dans mon cerveau. Un petit bout par-ci, un petit bout par-là, en chantant. Alors je suis tombé de ma chaise, docteur, parce qu'elles avaient mangé le morceau qui me faisait tenir debout. Et je suis tombé, oui. Quand on ne tombe jamais bien. A dit Alexandre Dumas. Fils. Mais de la bouclée, ta gueule. Maman. Mais bon, tu as fait quelque chose. Basta. Gabo. Stop. Personne ne m'écoute. Bon. Très bien. Les robinets, les citations, les tourterelles, les babababababa de l'autre là. Les ovaires en feu de mademoiselle, les flatulences cérébrales du grand Cafior. Vous savez où je me les mets. Chose qui ne va pas, docteur. Ah non, ça va aller, Guylaine. Juste un petit coup de fatigue. Bon. Je vous raccompagne à votre bureau et je vous apporte un petit café, d'accord? Ce sont eux, mes tourterelles. Par-ci. Un petit bout par là. En chantant. Est-ce que, je te demande, si ta grand-mère fait du vélo, si ta petite sœur est grande, si ton petit frère a un stylo, si ta cousine Fernande, pour coudre au rideau les anneaux, bien qu'on le lui défende, prend les aiguilles du phonneau. Est-ce que, je te demande, si lorsque t'achètes des pruneaux, t'exiges de la marchande qu'elle retire d'abord les noyaux, si ton laitier joue au loto, si ton bottier boit de l'eau de boteau, est-ce que, je te demande, si ta grand-mère fait du vélo?